Jojo, sorcière ou ensorcelée. Et bienvenue, adorateur du village maudit, fanatique du sanglot des cigales et aimant du dieu Yashiro. Oui, j'ai changé, même si en fait j'ai juste oublié le texte de base, donc bon, si on n'a pas la refaire parce que si vous êtes puriste. Hein. Donc bienvenue à vous, fans du sanglot des cigales, adorateur du village maudit, fanatique du temple Furudé. Sarto est vraiment de plus en plus cool à chaque fois, je la répète. Bref, arrêtons de faire la vanne constamment. Et aujourd'hui, nous allons aborder l'épisode 8. Alors, vous regarderez cet épisode dans la nuit, mais dans la soirée de dimanche. Enfin, dites-vous, je la tourne 1h du matin. Donc, bon, il faut que je me grouille parce que demain, je vais pas avoir trop le temps de monter, enfin de tourner. Donc, il faut que je me grouille de tourner 5, je monte ça demain. Bref, ne stressons pas. En tout cas, bienvenue sur Higurashima. Donc, nous allons voir, du coup, l'épisode 8. Est-ce que ça peut te donner? Est-ce que ça va donner du moins? Parce que justement, on n'est pas à la veille de l'épisode 8. Hein. L'épisode 8 est sorti il y a déjà 4 jours. Donc bon. Alors, l'épisode 8. Techniquement, c'est censé être l'avant-dernier épisode de Tazari Kakashi. Donc, la vérité sur la malédiction. Donc, techniquement, on va s'attaquer à la suite. À la suite la plus intéressante dans 2 semaines, c'est-à-dire la semaine de l'épisode 10. Et là, je pense qu'on va en chinois. Bref, avant d'aborder ça, on va aborder du coup l'épisode 8. Donc, l'épisode 8, qui reprend là où on s'est arrêté au 7e, c'est-à-dire Satoko qui retourne des coups chez son oncle, en manipulant ce dernier, en lui faisant croire qu'elle se fait persécuter par le village tout entier, alors que du coup, c'est totalement faux. Elle ne se fait persécuter par personne. Hein. Il n'y a personne qui la persécute, hein. C'est totalement faux. Il n'y a aucune trace de persécution en elle, mais en parlant de traces, vous verrez, on va en parler. On va en parler, je vous dirai tout ça. Ensuite, donc, du coup, Rika, cette dernière, essaie de l'empêcher, comme dans Tadari Tamashii, en disant oui, non, mais t'es pas obligé d'aller chez ton oncle, elle fait Rika, ça reste ma famille, j'y vais, et du coup, elle fait le même speech que dans le goût. Donc, ça, déjà, on zappe, elle fait le même speech que goût. Ensuite, maintenant, on va aborder le cas, justement. On va pas repasser l'épisode 8 au peigne fin parce que les scènes de l'épisode 8 sont les scènes de l'épisode numéro entre 10 et 14, je crois. Non, entre 10 et 13, voilà, entre 10 et 13. Entre 9 et 13 plutôt, parce que ça fait 4 épisodes du coup, entre 9 et 13. Jusque-là, on connaît un peu, donc Mion apprend que Satoko a l'oncle de Satoko de retour, et du coup, eux, ils ne savent pas que l'oncle de Satoko a changé. Pour eux, l'oncle de Satoko reste la brute épaisse, violente et bourrine que nous connaissons, nous les puristes du sanglot des cigales, hein, vous et moi, c'est-à-dire ben, un gros connard asocial, antipathique, qui maltraite sa propre nièce, qui n'a rien à branler de son neveu disparu, et quand sa femme est morte, a été retrouvée morte, le type a rien fait que de courir ses jambes à son cou comme une lopette. Bref. Donc, continuons là-dessus. Donc, du coup, il s'est aussi passé que. Satoko du coup part à l'école et part quitte l'école plus tôt en scrupulant oui en fait il me casse il suit pas bien tout ça et là elle arrive au milieu du pont le pont qui est justement relié le village au sanctuaire Furudé parce que le sanctuaire Furudé est séparé par un pont d'ailleurs cet environnement magnifique et là Satoko dans un élan de pétage de câble mais vraiment je vous dis pétage de câble c'est-à-dire qu'elle a les yeux rouges donc les yeux rouges écarlates qu'elle se met à rigoler comme une dingo et elle se roule par terre. Mais quand je dis elle se roule par terre, c'est vraiment, vous voyez les genres de baby-foot qu'on vous les fait tourner? Mais imaginez-vous qu'elle tourne, pas dans le sens d'un genre de baby-foot normal, elle tourne, genre elle fait ça, attendez, j'essaie de vous illustrer ça, genre elle fait ça. Elle s'est tournée un peu sur elle-même, donc elle se roule dans la merde. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle en est couverte, toute salie, tout ça. Et en fait, elle retourne chez son oncle pour le manipuler et lui continuer à le faire croire que cette dernière est traumatisée, en fait, et persécutée. Enfin bref, donc du coup, maintenant le sujet tabou que moi je tiens à aborder, mais que je vais aborder sur la fin de la critique. Donc jusque-là, je garde ma concentration sur le sujet que j'aimerais aborder. Oh, ce fond est magnifique comme ça. Oh, c'est parfait. Donc du coup, ensuite de ça, nous avons justement ce qui se passe actuellement dans Inazawa, c'est-à-dire que tout le monde est un peu sur le cul. Dojo TP, il se back, ils vont encore foutre le merdier. Comment Satoko va s'en tirer? Est-ce qu'on va réussir à sauver Satoko? Parce que pour toute la classe, Satoko est en danger. Alors qu'en fait, elle ne craint juste que dalle. Parce que justement, elle est avec un oncle, ce dernier ne lui fait aucun mal. Ce dernier la protège même. Au point même qu'il lui dit, le Satoko, je te promets que le moindre connard qui lèverait sa main, je donnerai ma vie pour te protéger.
C'est-à-dire que vraiment, Satoko a un oncle qui n'est plus le connard qu'on connaissait, mais qui est devenu un nouvel homme, qui s'est racheté, qui a décidé de se repentir, entre guillemets, on va dire, dans cette temporalité. C'est-à-dire que c'est devenu un homme bon et sage qui veut protéger sa famille et sa nièce, qui est limite sa seule famille, parce que Satoshi, qui est son grand, son petit-neveu, a disparu, sa femme est morte. C'est, on va dire, beau, ça, je crois que c'est le frère de la mère Satoko, donc sa sœur et son beau-frère sont morts. Donc, finalement, Satoko n'est plus que sa seule famille. Parce que sinon, Tepei ne trouve que le bonheur, si on garde le fait qu'il soit un fils de pute, dans les jeux, l'argent, l'extorsion, et tous les autres conneries. Et les putes. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais maintenant, oubliant moult de péripatéticiennes et moult jeux d'argent, Ojo Tepei devient un homme qui décide de protéger sa nièce au péril de sa propre vie, comme on l'a pu voir vers l'épisode 23, où justement ce dernier s'est fait bolosse par une bande de bikers, parce que ces derniers ont mal parlé à Satoko. Le gars a débarqué, il a mis une patate dans le teint, en mode One Punch! Voilà donc. Voilà. Donc Satoko manipule son oncle en se faisant passer pour une victime, et en fait, nous continuons sur cette voie-là où justement, en fait, Satoko, elle s'amuse. Elle s'amuse, mais vous allez voir que je vais placer une petite théorie que je n'ai pas mentionnée à qui que ce soit, que j'ai gardée pour ma petite personne, et que je vais pas tarder à vous en parler, je m'explique prochainement. Donc, ensuite, pour revenir à cette histoire de victimisation, la scène où Satoko se roule par terre, j'ai trouvé ça vraiment malsain. C'est vraiment malsain parce que c'est malsain au point où tu te dis. En fait, tu traverses une phase que j'appelle, que j'ai nommée la pression psychologique cardiaque. C'est-à-dire que quand un être humain émotionnellement impliqué regarde cet animé et qui aime cette œuvre, tu ressens deux sentiments, l'empathie et la colère. Pourquoi est-ce qu'on empathie envers Satoko? Parce qu'elle a vrillé dans cet état-là à cause de Saint Lucia, à cause de, pas directement à cause de Rika, mais un peu de sa faute, parce que c'est elle qui l'a attiré dans ce bourbier, mais c'est pas directement de la faute de Rika. C'est-à-dire que si on retourne à Saint Lucia, on voit parfaitement que Satoko, les filles de leur classe ne lui ont pas donné la vie facile. La preuve, elle s'est fait balancer comme une connasse. Elle s'est fait jeter en prison par l'institutrice, et quand je vous dis en prison, c'est vraiment les mecs qui sont des cachots dans les sous-sols de l'école, ils l'ont balancé comme une putain de sac dans les cachots, avec juste un trou pour respirer. Donc bon. Ensuite, donc revenons à l'épisode 8. Donc du coup, on empathie pour Satoko de ce point de vue, mais on a de la colère parce qu'elle fait souffrir tout le monde. Elle a causé la mort de Rena indirectement. Non, en fait, même pas directement, c'est la cause de sa mort parce que le virus est autodestructible, c'est-à-dire que quand tu l'ingères dans le corps humain, bah, le corps humain vrille, devient paranoïaque, il se gratte la gorge et l'on meurt. Ensuite, Keiichi en est mort parce que Keiichi est un dommage collatéral. Mion est morte avec une main brisée et une balle dans le crâne. Rika a été tuée deux fois à ce moment-là parce que la première fois dans le saut de sol, elle s'est suicidée en se tranchant la gorge et la seconde fois, bah, elle s'est fait étrangler par un Mion. Donc je pense que ce qui va se passer maintenant, c'est qu'en fait, je pense que, surtout sur la suite, donc en Neko Akashi, ça va se passer comme ça. Neko Akashi doit être un moment où Satoko va avoir un coup de pression. Ça veut dire qu'en fait, ça va pas se passer comme elle avait prévu. Ça va pas se passer comme elle avait prévu le coup. Et quelque chose va tourner au vinaigre. Je pense que ça va être comme ça parce que Rika a survécu tout un arc entier et on n'est morte que par la suite. Donc pourquoi Satoko a attendu à ce moment-là? Moi, ce que je veux voir surtout, comment Satoko a réussi à viruser le commissaire Oishi. Et je veux voir cette scène absolument parce que j'espère qu'elle n'est pas incohérente et j'espère qu'elle ne sera pas masquée par du recyclage. Ça, je le veux par contre. Je ne suis pas quelqu'un qui gueule au recyclage, mais je veux pas qu'on nous cache les réponses. Même si bon, c'est pas censé être le cas vu que c'est l'arc de réponse. Enfin bref. Donc, Satoko se fait prendre au sérieux par son oncle, ce dernier lui dit voilà. En fait, elle quitte l'école, elle retourne à l'école le lendemain, et là, en fait, elle est, voilà, et tout ça, et après, elle part. En fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe que, bah, tout simplement, Satoko, en fait, fait quelque chose, c'est qu'elle rentre chez son oncle après les cours. En fait, elle lui dit, même t'es, en fait, quand on lui demande si retourne en cours, le Satoko arrête son oncle, lui dit, j'ai pas envie de retourner en cours, et elle fait genre que même ses camarades, voire carrément l'institutrice, la maltraite, alors que c'est complètement faux.
Mademoiselle Thiers, ou Thiers Sensei comme vous voulez, est quelqu'un de très protectrice avec ses élèves, et aucun élève n'a fait du mal à Satoko. Même s'il y en a un qui faisait ça, t'avais soit la déléguée de classe, donc Mion, soit Rena, soit Keiichi qui débarquait, soit Rika qui pensait la protéger. Mais Satoko était entourée des bonnes personnes. Satoko, elle manipule, elle ment, et elle monte les gens les uns contre les autres pour voir, pour juste faire de la merde, pas faire du mal à Rika. C'est pour ça que j'éprouve de la colère. J'ai décidé au début d'être de team, pour ceux qui continuent avec cette histoire de team ou pas. J'ai toujours été team Satoko, mais quand j'ai vu le sort réservé à Mion, parce que moi, mon personnage préféré, donc il y a eu un coup au cœur quand même. Vous l'avez vu, vous avez vu ma première critique, mon début dans les critiques des épisodes avec le cinquième. J'ai commencé par le cinquième directement, mais j'ai déjà fait le 1 et le 2 sur mon autre chaîne, et le 3, j'en ai brièvement parlé pendant notre live. Donc voilà. Donc en fait, du coup, voilà comment je pense que la suite va se dérouler. C'est que du coup, Satoko, voilà, l'institutrice d'ailleurs débarque chez l'oncle de Satoko parce qu'elle veut avoir des informations sur son élève, ce qui est logique. Quand une institutrice ne voit pas son élève en cours sans prévision, elle y va. Et en plus, vu que c'est la seule prof d'une trentaine d'élèves dans la seule salle de classe, dans la seule école du village, sur 2000 putains d'habitants, il faut bien avoir des renseignements sur tout n'importe quoi. Donc elle se déplace d'elle-même pour aller enquêter sur des payes. Voilà. Ensuite, il se passe quoi? Il se passe que, du coup, les payes ouvrent, elle dit à la prof, oui, bon, Satoko, elle est malade, est-ce qu'elle viendra demain? J'en ai pas, j'en ai, j'en, je sais pas, et j'en ai rien à branler. Cordialement, au revoir. Et Satoko, elle, quand elle voit que c'est la prof qui a appelé, elle fait semblant de trembler. Elle se met en position fœtale comme une grosse tapette et elle tremble. Genre, elle fait semblant d'en avoir peur en fait. Du coup, son oncle est en mode connerie, genre, mais de espèce de sale petite salope. Il est en super scène, l'oncle, il va démonter des mères, tu vois. Il est chaud bouillant, le monsieur. Bon, évidemment, en face de lui, c'est une femme, donc de 1, tu lèves pas les mains sur la femme, et de 2, c'est l'institutrice, donc si tu fais un truc, tu fais les flics. Mais enfin, bref. Donc tout ça se produit, tout ça se passe. Ensuite, qu'est-ce que il se passe? Il se passe que, bah, du coup, nous arrivons à la scène de fin d'épisode où justement Satoko tape sa crise en mode ah, t'as ce qui était dit, t'as ce qui était, je reviens me sauver mon grand frère, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je me sens pas bien. Elle commence à gerber au milieu de la classe, elle fait genre qu'elle vomit. Tout ça. Et pendant ce temps-là, on a Ewa, oui, je dis Ewa, pas Ea, parce que Ea, c'est moche, donc Ewa qui est en train de se rataner en rigolant comme une baleine, parce qu'elle rate ça avec Jo, elle est en mode ah, l'humaine nommée Satoko Jo est vraiment la peine d'être observée, franchement, c'est un divertissement incroyable, elle s'amuse, elle se marre, elle se tape des barres, et là, elle prononce une phrase qui, pour tous les fans de Wendy Cray, je dis bien Wendy Cray en globalité, non pas Higurashi, c'est-à-dire Wendy Cray, je vise Umineko et Sigonia. Sigonia, on n'en parle pas parce que je connais très peu de choses sur Sigonia, mais Umineko, on va dire que je connais pas les bases, mais on va dire que je connais un peu la structuration. Et là, on a Featherine, donc Ewa, enfin Ewa, qui dit l'humaine Satoko Jo a l'air plus d'une sorcière qu'une humaine. Pour ceux qui ne connaissent pas Wendy Cry, dont Umineko, nous avons les sorcières, justement. En fait, on a quelques sorcières. Maintenant, on a Ewa, qui est la Golden Witch, comme on l'appelle en version originale, la sorcière dorée. Et on a Bernd-Castell, Frederica Bernd-Castell et Lambda Delta. Frederica Bernd-Castell, bah, pour ceux qui connaissent, c'est la doublure. C'est en fait le désespoir de Rika depuis la boucle, en fait. C'est vraiment l'incarnation de la désespoir, du désespoir de Rika. De la boucle. Et Lambda Delta, on pensait que c'était Mio Takano au début, donc la méchante on va dire la méchante de la version canonique de 2006-2007, enfin la version canonique, la version de 2006-2007. Et en fait, plus le temps avance, et plus cette théorie comme quoi c'était Mio Takano change en c'est en fait Satoko Ojo. Donc pour ceux qui pensent que Lambda Delta est Satoko Ojo, ben moi je peux pas vous dire parce que je ne connais très peu de choses sur Mineko, parce que je n'ai ni lu ni regardé l'animé, l'animé est à chier apparemment. Moi je n'ai pas du tout regardé ou lu Mineko de ce genre de choses, donc je suis vraiment très 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 inconnu là-dessus. Donc voilà, donc les théories ont fusé, hein, tout le monde est en mode oh là là, Satoko va devenir Satoko become Lambda Delta, Satoko is Lambda Delta, Satoko she is Lambda Delta, Satoko Lambda Delta, nanana, nanana, des conneries dans le genre. Enfin des conneries, je sais pas, moi je vous l'ai dit.
Et maintenant, donc maintenant que ça c'est fait, je vais maintenant prendre quelques temps pour vous dire un peu mon avis sur l'épisode, et puis après je vais moi-même mettre en place une petite théorie. Satoko est-elle, pardon, pas dit, est-elle une sorcière ou est-elle tout bonnement manipulée d'elle-même? Est-elle ensorcelée justement? Eh oui, parce que les enfants, quand un vieux débarque devant vous dans une ruelle et vous dit, gamin, tu veux tes bonbons, suis-moi. Bah, les enfants, si un vieux vous dit ça, c'est qu'il y a que très normalement un petit serpent qui s'y cache. Et quand je parle de petit serpent pour les plus perverses, vous comprenez de quoi je parle. Ewa est très clairement et se montre très clairement être une personne qui n'est pas du tout de confiance. Donc je pense qu'il y a une douille quelque part. Je pense que Satoko, soit elle se fait manipuler elle-même, soit il y a une couille qui a tué pas. Alors peut-être que je fume mais que c'est pas du tout ça, c'est probable, mais la théorie n'a jamais été abordée, et en fait, je me dis, dans l'état dans lequel elle est, c'est abordable, parce que Ewa, elle a juste servi à donner le pouvoir à Satoko. Elle est juste venue, elle a claqué des doigts, Satoko a eu le pouvoir de la boucle, et accessoirement, c'est tout. Genre, elle n'a rien fait d'autre. Elle est juste là à regarder les fragments en train de se marrer comme une baleine, en étant soit allongée, soit assise sur un trône ou un canapé, ou en train de... C'est-à-dire que vraiment, elle est là, elle pionce, dans Satoko fout la merde. Donc, je pense quelque chose. Il y a un abonné, un très grand ami à moi dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Dark Granite, qui avait mentionné une théorie. Est-ce que Féverine serait pas plutôt Anyu? C'est. Alors. Une chose qui peut être envisageable, vu qu'Anyu est le dieu Yashiro, et que l'Anyu actuel dont Gou et Sotsu n'est qu'un souvenir, un fragment d'Anyu. C'est même pas Anyu, c'est une empreinte d'elle qui est là. Du coup, la théorie, c'est est-ce que Féverine serait l'Anyu actuel, englouté par la haine et la rage, parce que Rika a décidé de quitter Inamizawa, et elle s'est pointée pour faire en sorte que Satoko la maintienne, afin de pouvoir récupérer sa meilleure amie. Mais est-ce que Anyu ne serait pas perdu dans cette rage infâme et ne se laisser consumer au point même où, en fait, elle ne veut même plus retrouver Rika, elle s'amuse juste à la voir souffrir, un peu comme un psychopathe, un peu comme si vous étiez atteint du syndrome de Stockholm et que votre ravisseur, le psychopathe en question, aime vous voir souffrir au point limite que il laisse quelqu'un vous torturer, et lui se tape comme une baleine à côté en train de vous regarder vous faire du mal, vous voyez? Ce que je veux dire, c'est est-ce que Féverine n'est pas genre Anyu englobée, enragée as fuck, au point même que limite elle se maîtrise même plus elle-même, au point limite qu'elle est là, elle a claqué des doigts, elle fait oh bah tiens, vas-y, venge-moi, prends ma revanche, sinon le reste on baronne, voilà, tu vois, c'est un peu ça. C'est une théorie qui peut être aussi mise en place d'elle-même. Mais je pense que, de mon côté à moi, je préfère largement, enfin je pense que la théorie aussi de est-ce qu'elle serait pas ensorcelée d'abord Féverine, ou Ewa est quand même déclarée être Golden Witch. Son titre est Sorcière Dorée. Elle a un nom divin, Féverine Augustus Aurora, c'est tout sauf un nom classique. Quand t'as un nom comme ça, c'est qu'il y a un bail divin qui s'y cache, tu vois. Donc, ma grande question, c'est est-ce que Féverine n'aurait pas ensorcelé Satoko pour, je sais pas moi, faire du mal à Anyu, faire du mal à Rika, ou une connerie dans le genre, ou justement, est-ce que les deux théories ne se rejoindraient pas? Je m'explique. Anyu, étant consumé par la rage et la haine, devient Féverine, contrôle Satoko pour qu'elle tue Rika maintes et maintes et maintes fois avant que elle puisse se venger. Bon, la question qu'on se pose, c'est est-ce que Satoko est le fer de vengeance de Féverine? Et oui, la théorie est abordable. Ceci est une théorie abordable. Donc les deux théories peuvent être prises en compte. Est-ce que Féverine est en fait Anyu qui a ensorcelé Satoko afin de justement se venger? Une idée qui peut être envisageable dû au fait que ben justement si on regarde bien Féverine et Anyu n'ont pas peut-être beaucoup de ressemblances, mais si vous regardez là vous avez des cornes, bon Anyu dans des plus petites mais noires et Féverine dans la des grandes dorées justement vu que c'est la sorcière dorée. Donc maintenant justement les deux théories sont abordables, donc c'est une des rares fois où je théorise, mais ça m'est venu en tête parce que je me suis dit quand même genre Féverine a l'air de beaucoup y tenir à cette
à cette chose. Et je pense, en connaissant Ryokichi, que c'est loin d'être une simple petite baleine qui est juste là pour se marrer quand c'est au cou des gens. Il doit y avoir un dessin sinistre ou quelque chose derrière, parce que je pense pas qu'elle est là juste pour se taper des barres et boire un café, tu vois. Je pense pas. Et si c'est vraiment ça, bah Ryokichi, il a foiré un truc, parce que faut pas déconner sa mute, frérot, hein. Je veux bien protéger ton anime, mais quand tu fais de la D, je suis obligé de dessiner, tu fais de la merde. Voilà. Donc justement, donc maintenant ma grande question c'est est-ce que Sadoko est une sorcière ou est-ce qu'elle est ensorcelée? Évidemment, les fanatiques du Midico et de Lambda Delta vont venir me lapider pour ce que je viens de dire, mais les couper, calmons-nous et réfléchissons tous ensemble. Nous faisons partie de la même communauté, on est tous de la fanatisme Wendy-Cryen, ça se dit pas, mais bon voilà, on est tous du fanatisme Wendy-Cry, faut qu'on serre les coudes et faut qu'on partage nos avis. Pour ceux qui sont pas d'accord, je vous invite à venir débattre dans l'espace commentaire, vous êtes toujours les bienvenus et vous avez même le serveur Discord qui est là. Je le mettrai dans un commentaire épinglé, je prendrai un commentaire épinglé et je le mettrai dans le serveur Discord si vous voulez débattre. Voilà. Donc à aucun moment faut venir critiquer. De toute façon, le premier qui va m'insulter, il sera banni immédiatement. Hein. Il sera rétabli immédiatement par le staff. S'en occupera largement, pas des couilles non plus. Voilà. D'ailleurs, aussi petite nouvelle pour Higurashima, il y a des nouvelles sections qui s'ouvrent gentiment, qui vont s'ouvrir prochainement. Comme par exemple la excuse-moi du bruit à côté, comme par exemple les reviews des arcs consoles PlayStation Higurashi Wendy Cry, qui seront faits par non pas moi mais par une autre personne que vous connaîtrez bientôt. Je ne vous dis pas qui c'est, je ne vous montrerai pas qui c'est, vous le découvrirez en temps voulu quand cette dernière aura fait son post sur la chaîne, et une section pour justement Yumiko qui sera tenue par quelqu'un d'autre, et encore je tiens à garder la surprise. Enfin voilà, tout dépend de ces personnes-là aussi. Donc maintenant, point avis épisode. Parce que oui, maintenant j'ai passé la théorie, il faut quand même que je passe à mon avis du classique. Avis de base. Alors, d'un point de vue objectif, donc d'un point de vue global, cet épisode était bien, mais il reste pas ouf. On est encore face à beaucoup de recyclage. On est encore face à beaucoup de recyclage et à face à. En fait, ce que je veux dire par recyclage, c'est qu'en fait, on nous prend les scènes de goût. Et sur les 23 minutes des scènes de goût, en fait, on nous met les 10-15 minutes, enfin, même pas 10-15 minutes, genre 10 minutes à peu près de nouveauté, tu vois. Sur 23 minutes, 10 minutes, c'est bien, c'est-à-dire qu'il y a 13 minutes de recyclage. Mais ça peut quand même être beaucoup. Maintenant, abordons un point subjectif, c'est que moi, le recyclage, comme je vous l'ai dit sans cesse, et je ne me répéterai plus sur ce, le recyclage, moi, ne m'a jamais dérangé. Je sortirai une vidéo pour m'expliquer sur le recyclage, tiens. Mais pour vous dire, franchement, moi le recyclage ne m'a jamais tant dérangé que cela. Vraiment, je trouve que c'est même bien que ce soit légèrement recyclé parce que ça montre les explications. On va pas mettre des nouveautés sans montrer pourquoi le puzzle a été perpétué. C'est comme si tu faisais un puzzle sans mettre les pièces correctement à l'endroit, tu vois. C'est comme si tu faisais le puzzle avec tes pieds. C'est nul, c'est débile. Après, je respecte les gens qui disent qu'ils gueulent au recyclage, hein. Vous pouvez gueuler au recyclage, hein. C'est normal que ce soit chiant, c'est normal que ce soit long, nous on veut voir la suite, on veut voir vraiment ce qui s'est vraiment passé. Mais voilà. Maintenant, un message pour les gens qui ragent que c'est du recyclage de recyclage. Les enfants, faut réfléchir 5 minutes. Higurashi, c'est une histoire de loupe temporelle, de boucle temporelle. Le recyclage, il va y en avoir dans ce genre d'histoire. Faut pas un moment gueuler parce que c'est répétitif. L'animé, si vous voulez gueuler parce que c'est répétitif, bah l'animé il est entièrement répétitif parce que l'animé est une boucle. C'est répétitif de base. Tout est répétitif. Faut arrêter de vivre avec des explications de oui, mais il n'y a rien qui est. Non, non, tout est répétitif. Tout. Votre vie est répétitif. Ce que je veux dire par là, c'est que, comme je le dis sur la chaîne principale, sur mon autre chaîne qui est Rico Multimédia, quand je débat de jeux vidéo et tout ça. Bah c'est pareil pour là aussi. Tout a une bonne ou une mauvaise répétitivité. C'est-à-dire que la bonne répétitivité, ça se répète, certes, mais toi, ça t'amuse. Ou ça te tient en haleine quand même. Même si c'est répétitif, tu arrives à signaler que c'est répétitif. Mais c'est pas pour autant que tu te fais chier. La mauvaise répétitivité, c'est quand tu regardes, t'as envie de dormir et t'as envie de te tailler les veines. Là, c'est de la mauvaise répétitivité. Mais venir gueuler parce que tu recyclages, de recyclage. Bah vous achetez dans le cerveau les gars, parce que vous rachetez, c'est une histoire de boucle temporelle.
C'est une histoire de temporalité, de temps. Quand le temps est abordé dans une série, dans un jeu, dans un animé, dans un film, dans un roman, on va forcément avoir droit à de la répétitivité. Et j'en prends en ça l'exemple du film La Colle. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est un film. Alors, je crois pas que c'est un film français, mais c'est un film qui prend place dans un lycée où un abruti dit qu'il se retrouve coincé dans une boucle temporelle. Et là, le film est tout sauf pas répétitif, même si on voit que dans la classe, il y a plusieurs événements dans la temporalité qui se produisent. Il y a même un moment où le prof, il nage au milieu de la classe, où il allume le système anti-feu de la classe, enfin anti-feu, les mecs se tiennent à poil dans la classe et les autres nagent par terre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est répétitif dans l'ensemble, dans la structure, mais que l'intérieur de la structure. Genre, comment je fais ça? Le corps est répétitif, mais les organes vitaux à l'intérieur changent. C'est comme un immense sandwich. Le pain reste pareil, c'est de la baguette, mais l'intérieur, ça peut être du saumon, du fromage, du thon, de l'oignon, de le poulet, du tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, gueuler pour du recyclage, genre, pour que vous gueulez que ce soit du recyclage, c'est compréhensible, mais si vous gueulez parce que c'est recyclage de recyclage, ah ben vous êtes un peu con, excusez-moi de le dire. Je mâche mes mots, hein. Je respecte tellement la vie de tout le monde. Hein. Ça, je tiens à le préciser, c'est que je suis totalement ouvert à tout avis. Mais venir gueuler parce que c'est répétitif, ben juste regardez pas les enfants, c'est ce que je peux vous dire. Parce que si vous trouvez ça répétitif, ben vous êtes trompé d'animé, parce que c'est une histoire de boucle temporelle. C'est une histoire de boucle temporelle, excusez-moi pour le mot, c'est pas très pro. C'est une histoire de boucle temporelle, c'est une histoire de. C'est une histoire de quoi? C'est une histoire, bah, il y a des boucles, il y a de la merde, il y a des conneries, c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. C'est de la temporalité, le temps, une fois abordé, quand on aborde le sujet du temps, c'est forcément, et ce sera forcément répétitif. Faut arrêter de se dire qu'il n'y aura rien de répétitif, ce sera répétitif parce que c'est le temps. Vu que le temps, ça se répète. Je vais pas vous faire un cours de science sur la physique quantique non plus. Je pense que vous êtes intelligent, assez intelligent pour comprendre ça. Donc on vient de gueuler parce que c'est du recyclage, du recyclage. Et là, c'est même pas du recyclage, du recyclage, c'est juste du recyclage. Parce que en aucun cas, vous a recyclé un arc de la saison 1 ou 2. Ça, il faut pas me dire oui, hein, parce que pas du tout. Pas du tout. Honnêtement, l'épisode 1, il en ressemblait à rien à celui de la saison 1. Ça, je peux vous l'assurer, parce que la saison 1, je la connais par cœur. Elle n'y ressemblait en rien au premier épisode, parce que si elle voulait ressembler au premier épisode, on devait avoir plusieurs scènes. On devait avoir la scène où Katie y rejoint le club, et non la scène où justement elle est déjà membre, parce que là on voit qu'il est déjà membre. C'est pas il a rejoint, c'est il est déjà membre. Il n'y a aucun moment où Mio elle dit félicitations Katie, tu rejoins le club. Non, elle dit pas ça. Elle lui dit oui, donc la première fois que tu avais joué, tu te souviens des règlements, règle numéro 1, 2, elle fait le règlement. Mais à aucun cas elle dit bienvenue Maebara-san, tu vois, genre. Voilà, c'est logique. Kangu, l'épisode 4, clôt l'arc Onikakoshi, enfin Onidamachi, pardon, pas Onikakoshi, Onidamachi, à aucun moment ça ressemble à la fin de l'arc 1. On avait bien sûr les structures de l'arc 1, mais c'est logique. C'est logique vu que ça s'apparente à une incompréhension. Faut être logique, 5 minutes, c'est subtil, hein. C'est tout subtil. C'est que vraiment. Certes, on a la structure d'Onikakushi N, mais à aucun cas ça se finit comme Onikakushi. Si ça se finissait comme Onikakushi N, ça serait fini comme ça. Rena débarque chez Keiichi une première fois, mais part, parce que Keiichi a fermé la porte contre sa main. Ensuite, elle revient. Ensuite, on a la scène des Ohagi avec Mion. Et Rena, justement, il y a l'aiguille. Ensuite, il y a eu la scène où Keiichi serait fait poursuivre par des glands, se serait fait assommer par un type avec un caillou, et ensuite se serait réveillé chez lui pour battre Mion et Rena à battre, tu vois. Cette scène-là, on l'a eu, mais on l'a eu au début d'Onidamachi, pour nous mettre le doute. Pour nous mettre Watadamachi, et c'est aucun cas déroulé comme Watanagashi. Parce que Mion a reçu sa peluche, Mion a vrillé, parce que là, non, c'est à cause de Satoko, Mion est la meurtrière, et non Shion. Alors que si c'était Watanagashi, ça aurait été Shion sous l'identité de Mion. Et oui, donc, aucun cas, à aucun putain de cas, il y a du recyclage de recyclage. C'est totalement différent. C'est différent parce que ce n'est pas les mêmes boucles. Évidemment, c'est normal que. Et quand même pas me dire, oui, ça se passe toujours en juin 1983. Parce que ça se passera toujours en juin 1983. Pour la très et simple, unique putain de raison que le Watanagashi ne se déroule qu'au mois de juin. Le Watanagashi, la purification du coton, le Matsuri, comme vous voulez, ne se déroule qu'en juin, que pendant l'été.
Si je me trompe pas, je crois que c'est le 14 ou 13 juin. Mais je crois que c'est dans les eaux-là. Je crois que c'est le 15 juin ou le 13 juin, je sais plus. Bref, dans ces eaux-là, en tout cas, c'est le 13-14. Mais voilà. Donc, ça, c'est normal que ça se déroule là. Parce que le Watanakashi est censé être un repère temporel. Un repère temporel. C'est-à-dire que un point de repère temporel. C'est-à-dire que vraiment, tous les catastrophes débutent après ou avant ou pendant le Watanakashi. À aucun putain de moment. On a un épisode. L'arc d'Oni. Pas d'Oni, de Satoko Hashi s'est déroulé après le Watanagashi, mais c'est logique parce qu'elles sont plus à Inamizawa, c'est normal. Mais jusqu'à là, le Watanagashi, donc le festival de la fête de la rivière de coton, le festival de la fête de la rivière de coton, oui, c'est logique. La fête de la rivière de coton s'est déroulée toujours en juin à Inamizawa, constamment, tout le temps et tout le temps. Ça va pas changer parce que si vous ne voulez pas voir la répétitivité, et ben bah faut pas regarder parce qu'Higurashi, son point de repère temporel, c'est Watanagashi. C'est tout simple. Ça va commencer de là, ça va partir de là. Faut pas venir à me sortir que c'est recyclé de recyclé parce que c'est pas recyclé de recyclé. Tadari, le seul qu'on peut vraiment dire que c'est un peu recyclé, c'est c'est Tadari Goroshi parce que lui il y ressemble. Mais lui, il est mélangé entre sa première et sa seconde version. Première de Tatari Goroshi N, donc la saison 1 ou le tome 3 pour les fanatiques du VN. Et, alors je sais plus comment il s'appelle celui-ci, et l'arc de la saison 2, où là, Satoko est sauvé. De son oncle qui est méchant, qui est méchant déjà. Ça, c'est un détail, c'est que là, il n'y a pas de recyclage, parce que Pain, il n'est pas méchant. Il est tout un autre personnage. C'est tout un autre putain de personnage. C'est pas du tout le même type. Déjà, ça change. C'est qu'on a un nouveau. On n'a pas un nouveau personnage, on a un nouveau Tepei. Ça, c'est une grande différence. Il faut maintenir ce détail, il faut le garder en tête. C'est justement une nouveauté, c'est ces personnages qui changent. Faut pas cracher sur la nouveauté. Faut arrêter. Si vous voulez des sentiers battus, bah prenez-vous le coffret Higurashi, Inamizawa, le visage Bouddhi, vous retapez les saisons 1 et 2. Et Rei et Kira, si vous voulez vous retaper cette daube. Parce que pour moi, Kira, c'est de la dope. J'aime pas Kira, hein. Je le dis haut et fort. Je suis une personne qui est contre Kira. Je n'aime pas Kira. Outbreak, ça va, mais sans plus. Et les films, live action, j'ai envie de gerber. Bref, je m'énerve, je m'égare, je m'excite. Donc, je le redis encore une fois, si vous n'aimez pas le recyclage, bah ne regardez pas Higurashi parce que ça va être constamment ça. Ça va être ça. Ça va être ça jusqu'à Satoko Damashi. Pourquoi? Parce que Satoko Damashi, ça va être la réponse de la fin. Ça va être la fin. Je pense même pas que ça peut s'appeler Satoko Damashi. Je pense que cet arc aura un autre nom. Mais on va aller jusqu'à Neko Damashi, Neko Akashi. Après Neko Akashi, ça va être totalement différent. C'est-à-dire qu'après l'épisode 13, bah, ce sera l'épisode 14 et 15, et là on aura la fin. Parce que oui, pour ceux qui n'ont pas tilt encore, on se rapproche de la fin sur le tout. Hein. Voilà. Je pense que d'ici l'épisode, pour ceux qui n'aiment pas le recyclage, l'épisode 9. 10, 11, 12, 13, 14 et 15, donc ces épisodes-là vont devenir intéressants. Alors oui, je vous l'accorde, fan, c'est clair que attendre les... les 7 derniers épisodes, c'est vrai que c'est nul, je vous l'accorde, mais dites-vous que ce recyclage est un peu obligatoire parce qu'il faut expliquer les événements. D'accord, oui, tu peux avoir la force de déduction pour comprendre avec la nouveauté, mais si on a trop de nouveautés, on aura surtout beaucoup plus de risques d'avoir des incohérences. Là, on a des scènes qui sont certes recyclées, mais qu'on nous explique fondamentalement sont ou avec très peu d'incohérences. C'est ça que je veux dire, c'est que il y a très peu d'incohérences. Ou même s'il y en avait, ta gueule, c'est magique. Là, j'ai pas d'explication. Mais voilà, mais ce que je veux dire par là, c'est que. Gueuler au recyclage, bah c'est un peu. C'est pas débile, hein, c'est logique, mais il faut vous dire que c'est Higurashi, que Higurashi c'est des boucles temporelles et qu'on parle de boucles, on parle de répétition, parce qu'une boucle ça se répète, je ne vous apprends pas la science. Il faut être assez intelligent pour savoir qu'une boucle ça se répète, vous n'êtes pas des babous internés non plus. Oui, je suis un critiqueur qui ne mâche pas ses mots, oui. Évidemment, je tiens à signaler qu'après cette dose de sel, je suis évidemment respectueux envers la vie de tout le monde. Vous pouvez ne pas aimer, vous pouvez aimer, vous pouvez détester le recyclage. Vous pourrez dire, même si je déteste ça, que c'est du recyclage, si vous voulez, je m'en fous. C'est votre vie, pas la mienne. Moi, j'ai mon avis, vous avez la vôtre. Donc, voilà. En tout cas, moi, comme toujours, cet épisode, je l'ai aimé parce que je trouve
sympathique, je trouve toujours aussi cool parce que ça répond toujours autant aux questions. On voit bien, et j'étais sur le cul de voir à quel point on nous fait ressentir deux émotions différentes vers la même personne. C'est-à-dire qu'on a Satoko, on l'aime pas. C'est deux émotions différentes qui s'opposent en plus et qui sont pourtant au même moment manifestées dans ton cœur. Tu l'aimes parce que tu te dis que tu as eu mal pour elle à un moment, à la période Saint-Lucia, mais tu te dis quand même que c'est une sacrée connasse de faire ça à Rika. Mais justement, il faut pas voir plus gros que son ventre. Si vous regardez bien, il y a forcément un truc avec Féverine qui se cache dans le coin, dans l'ombre, parce que c'est pas possible que Féverine soit juste là pour se marrer comme une putain de baleine. Il doit avoir un dessin, une idée dans la tête du personnage qui fait que, pour l'instant, on n'a pas les réponses, vu que c'est pas la fin, mais qu'on aura les réponses vers l'épisode, bah justement, les épisodes cités, le 9, le 10, le 13, le 9, le 10, de 9 à 13, le 9 à 15, en fait. De 9 à 15, on aura les réponses. Maintenant, est-ce que on aura un combat à l'épée à l'épisode 15 où Satoko va se faire trancher la gorge par la lame dorée, la lame anti-boucle, elle, et ensuite elle va faire un coup de plot twist, elle va trancher Rika, et du coup les deux vont mourir au même moment, est-ce que ça sera la fin? Si ça, bah ce sera drama et ce sera vraiment Kino, sans déconner, mais ce sera à voir. De toute façon, vous aurez une critique sur la fin et après je vous sortirai les critiques par arc. Voilà. Non plus par épée, mais par arc. Donc, maintenant. On va clarifier quelque chose. Le recyclage, c'est clarifié. Maintenant, pour ceux qui gueulent sur, justement, la lenteur. Bah, comme je l'ai dit, c'est aussi logique parce qu'il faut bien vous montrer les puzzles complets pour que vous puissiez comprendre. Encore une fois, je ne vous dis pas que vous êtes des orang-outans débiles. Je dis que c'est dans le système schématique de l'œuvre de vous montrer les réponses. L'œuvre se schématise comme ça. Si vous regardez, c'est toujours été comme ça. On a eu les arcs du veine, les arcs questions, les arcs réponses, les arcs de fin. Là, on a eu les arcs questions avec vous. Là, on a tous les arcs de réponse, non pas en seconde partie, mais en seconde saison. Et on demande, vous n'allez pas me dire, ça vous a saoulé d'attendre juste 5 longs petits mois. Honnêtement, on se retrouve pas mal de temps pour d'autres animés ou pour d'autres jeux vidéo, d'autres films. Tu vois, je vais pas me saouler pour 5 mois que t'as attendu. L'œuvre, les deux œuvres sont séparées entre 4 mois, donc vous avez entre 4-5 mois, vous n'allez pas me saouler non plus. En mode oui, non mais oui, non mais oui, non mais. Non, il n'y a pas de non mais oui. D'accord, t'es pas un singe, mais il faut bien qu'on te montre les scènes recyclées pour que tu comprennes. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est ça, je m'explique, c'est justement ça. Mais encore une fois, comme je le dis, c'est comme vous voulez. Est-ce que vous allez gueuler contre le recyclage? Est-ce que vous détestez le recyclage? Faites ce que vous voulez, mon contre-tape, parce que bah moi mon avis est fondé, c'est ma chaîne, je suis évidemment ouvert à tous les débats que vous voulez, je suis cordialement hypé d'ailleurs de faire les débats, parce que moi c'est ce qui me hype, j'ai envie de voir l'idée des gens, voir leurs arguments, voir leur sens de détail sur leurs idées, je veux voir leur développement, tu vois, je veux voir ce qu'ils ont à dire. C'est pour ça que cette chaîne est fondée, c'est pour ça qu'Higurashimag existe. Je le rêve que cette chaîne devienne la chaîne de référence FR Higurashiesque. Alors peut-être que ça n'arrivera jamais parce que je ne suis pas équipé pour le faire. J'ai juste un logiciel de montage PlayStation et encore, il n'est vraiment pas optimal. C'est pas le truc le plus optimal du monde. Je vous le confirme. Je vous le confirme. Mais si on peut avancer malgré ces manques techniques, on peut aller de l'avant, on peut continuer plus loin. Maintenant, comme je l'ai dit et comme je le redis, je ne resterai pas spécialement seul. Si des gens sont intéressés par rejoindre Higurashimag, je ne choisis évidemment pas non plus tout le monde à la va-vite en mode comme ça. Hein. Je prends les gens avec qui j'ai discuté, avec qui j'ai parlé, avec qui j'ai conversé, avec qui j'ai prévu. Les gens que je vous citais juste avant qui peuvent rejoindre Higurashimag pour la section des VN et pour la section Umi-Higu, ce sont des gens que je connais très bien. Des gens avec qui j'ai discuté maintes et maintes fois, des gens avec qui j'ai débattu, des gens avec qui j'ai eu des conversations sur nos idées. Voilà. Mais j'ai pas non plus ajouté le premier connard venu dans l'espace commentaire en mode moi je veux venir parce qu'il veut venir, tu vois. Non. Higurashimag, c'est quelque chose qui doit être structuré, qui doit fonder, qui ne doit pas partir non plus n'importe où. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire les vidéos
de musique sur notre animé, parce que on doit rester dans le cadre qu'on a fondé. Igarashi est notre cadre, on ne doit pas le quitter. Du moins, Wendy Écran est notre cadre. C'est vrai, la chaîne s'appelle Igarashi Mag pour vous parler des actualités igarashiesques, mais quand ce truc va finir, bon, on n'aura plus d'actualités igarashiesques. Alors oui, on pourrait faire les veines, on pourrait faire les analyses de personnages, c'est sûr que ça va sortir, hein. Mais ça veut pas spécialement dire qu'on va rester bloqué que sur un œuvre, que sur un Wendy Écran, hein. Il faut bien parler des autres. Évidemment, je laisserai mes autres compères s'occuper de la section Mineko, de la section Info du Mineko. Moi, je tiens toujours à la section Higurashi. Du moins, tout le monde a le droit de s'occuper de la section qu'il veut. Moi, je pense pas toucher à la section Mineko parce que je connais très peu Mineko pour m'y mêler. Mais c'est-à-dire que si d'autres gens veulent parler d'Higurashi, bah, qu'ils viennent en parler. Je veux dire, les deux autres mes autres compères de Higurashi peuvent venir en parler d'Higurashi. On est polyvalent. On switch. Nous sommes une équipe. Et en tant qu'équipe, nous devons tous nous serrer les coudes et nous entraider. Par exemple, les reviews que vous voyez là, des gens sur la chaîne peuvent le faire. C'est-à-dire que si maintenant un compère ou un autre vient de faire le review de leur avis de l'épisode, eh ben qu'ils le fassent kiffant, mon gars. Vous aurez même, ce serait même cool parce que vous avez plusieurs POV différents. Vous aurez des critiques différentes. Merde. C'était pas prévu ça. Voilà. Vous aurez des critiques différentes, des avis différents, des avis qui changent, des avis qui varient. C'est ça que je veux. Par exemple, les analyses de perso, je veux qu'on les fasse tous de nos côtés à nous. Parce qu'on aura forcément tous, à un moment, nos personnages préférés. Nos personnages préférés. Nos personnages à nous, qu'on aime, qu'on chérit, qu'on partage. Par exemple, je peux vous parler de Reyna comme je vous parle de Mion. Parce que Mion, c'est mon personnage préféré. D'ailleurs, je vous ai déjà sorti une analyse, mais je compte prochainement la supprimer pour la refaire de manière moins décalé, moins dispersé, plus structuré, plus expliqué. Toujours avec ces espèces de petits fonds décors que je fais sur Ghost of Tsushima, parce que ça permet pour moi de mieux rester centré, de pouvoir mieux ex vous expliquer. Et comme je vous disais, on avancera forcément le jeu PS4 en longueur. Mais voilà. Donc oui, tout simplement. Higurashi-Mag, il est fondé. C'est quelque chose de structuré. Maintenant, cette vidéo, vous la verrez demain dimanche soir. Vu qu'elle sera probablement postée dans ces eaux-là. Mais moi, en tout cas, j'ai déjà commencé à faire la minia. Parce que voilà. Et je n'attaquerai pas le montage avant demain. Hein, parce que moi, j'ai une vie. Et je suis sur Demon Slayer. Voilà. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, Raiko Multimédia, vous tapez, vous trouverez la chaîne. Live vendredi prochain sur la seconde chaîne YouTube. Sur l'autre chaîne YouTube pour la Director's Cut de Death Stranding. Ou la Director's Cut de Ghost of Tsushima qui arrive. Mais j'en parle pas ici. C'est ailleurs. Mais voilà, la Director's Cut est en route. Elle arrive dans une semaine, tout pile. Donc vendredi soir, c'est live. Bref. Étant donné, nous dispersés, comme je l'ai dit. Donc voilà. Higurashi Mag est là, il est lancé. On est déjà à notre deuxième vidéo officielle. Au troisième, je sais plus, non, troisième, je crois. Ou les troisièmes, si on compte les ouvertures aussi. Donc voilà. Donc nous aurons. Nous aurons même, je pense même, créé un concept où nous ferons les introductions des personnages présentatives. Je m'explique. Nous avons dans Higurashi Mag pour l'instant que Beko, moi, qui vous présente actuellement mes avis, mes reviews, mes analyses. Mais nous avons du coup d'autres personnes qui vont venir. Et du coup, ce serait intéressant que nous fassions une vidéo présentation pour nous présenter aux gens qui ne connaissent pas Higurashi Mag, aux gens qui ne connaissent pas de base sur nos réseaux sociaux, pour pouvoir justement. Bah venir, comment je crois que ça va venir, nous rencontrer, nous connaître, nous enregistrer son de nos voix, nos tons, pour pouvoir savoir qui parle. Ce que je veux dire, c'est qu'on fasse connaissance avec cette espace communauté, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Je compte en faire un prochainement sur animateur Higurashimag, Beko, vous voyez, pour présenter un peu le personnage, le caractère, l'homme, les sentiments, vous voyez, c'est ça. Et mon affaire avec Higurashi, ça aussi, il faut en parler. Parce que c'est pour ça qu'on est là. Enfin bref, donc je vous ai assez pris votre temps pour aujourd'hui. Vous devez probablement être allé à l'Angelmore pour prendre une glace aux compagnies de Sonozaki, ou vous êtes peut-être en train d'offrir jus dans la cave de la famille ancestrale de Sonozaki, justement parce que vous avez soit été insultant vers la divinité locale du village, ou vous avez foutu un crime impardonnable, peut-être même qu'on vous arrachera les ongles un par un pour votre crime. Oui, je force avec mes références, oui. Enfin bref. Ou peut-être même que vous vous baladez au pied du temple Furudé et que vous avez croisé une Rika sauvage dans un arrêt de bus, qu'elle vous a fait un nipa en mode nipa, c'est tout adorable.
Ou bien vous avez peut-être croisé le regard de Satoko qui va vous piéger dans la seconde à venir, ou peut-être même faire pire maintenant. Ouais, je fais ça rajoute du suspense. Oh, c'est j'aime le suspense. Bref, donc voilà. Donc encore une fois, amis et fans, je vous salue très fort. Je vous souhaite une bonne soirée, un agréable dimanche soir. Oui, parce que je dis dimanche soir parce que vous regarderez soit cette vidéo dimanche soir, ou soit je la sors plus tôt, bah vous passerez un bon dimanche. Voilà, cordialement. En tout cas, moi je m'arrête là, je vais faire la minia et ensuite je me casse, regarder Demon Slayer ou peut-être même dormir, c'est à voir. Allez, je vous laisse, peace et n'oubliez pas, prenez soin de vous et surtout, ne vous baladez jamais seul la nuit. Une catastrophe est si vite arrivée. Et surtout, si ça vous démange, ne vous grattez pas la gorge. Un autre conseil d'ami que je vous donne. À voir comment vous en prendrez. Ha ha ha.